Dans la cagna des transmissions, nous entendons de la guerre les grondements du sol et parfois la chute d'un peu de sable du plafond de terre. Nous sommes à l'abri, nous vivons au chaud, nous sommes entre nous. Alors nous lisons la vie parisienne. Nous cherchons la page des marraines de guerre qui se montrent vertueuses et patriotiques. Nous répondons à leurs annonces, transmettons des demandes. Mais nous rêvons de marraines légères qui nous accueilleraient. De gentilles parisiennes affectueuses, jeunes, élégantes et un peu seules, qui nous offriraient discrètement le réconfort. En l'attente des réponses, qui tardent, nous affichons dans l'abri les gravures de mode que nous découpons dans les revues, qui sont de plus en plus dénudées à mesure que s'éternise la guerre et que s'aggrave notre solitude.